Et on est reparti pour le match du jour. 3D Max contre Job Life. Attention à 3D Max, hein, l'anéantisseur de Titan hein, maintenant. Ouais. Nouvelle forme pour eux. Ouais, clairement, c'est l'équipe qui vient poser des ennuis à l'heure actuelle à pas mal d'équipes qui ont déjà qui sont en pleine course pour les playoffs. On sait que pour eux, ça va être très très compliqué, c'est même C'est impossible. fini, ouais. Mais on est en préparation du split 2, on est en train de continuer à se mettre en place, de. On va dire mettre un petit peu plus carré ce roster qui a beaucoup bougé depuis le début du split. Et on est face à des Job Life qui font une saison en dents de scie, qui peuvent avoir des journées très convaincantes, des éclairs de génie, des bonnes individualités, comme on peut des fois passer à côté de certains matchs et perdre un petit peu les pédales sur certains rounds. Donc va falloir faire très très attention, c'est un match piège pour Job Life, et il y a eu déjà beaucoup de matchs pièges dans cette soirée. Justement, au tableau de chasse de 3D Max, les deux dernières rencontres, c'est victoire contre Hit, victoire contre Zerance. Deux équipes bah, qui trustent le haut du tableau, deux équipes qu'on sait très fortes quand même hein, sur ce split. Et sur le papier, bah, ces deux équipes sont meilleures que Job Life jusqu'à maintenant, ou en tout cas ont été plus convaincantes. Là, bah, c'est Job Life. Est-ce que tu y crois à la nouvelle forme, nouvelle suprématie 3D Max, est-ce qu'ils peuvent ajouter Job Life au tableau de chasse? J'ai vraiment envie d'y croire. De toute façon, on le répète depuis le début de la saison, mais c'était sur le papier un roster qui avait des forces et qui malheureusement n'est pas vraiment arrivé à les exprimer sur les premières journées. On a mis du temps à arriver à se comprendre et, comme l'expliquait Adon, à enfin jouer comme ils pouvaient les jouer en entraînement et en C'est practice. ça, ouais. Et là, on commence à y arriver. En plus de ça, t'enlèves tout l'aspect pression, puisque bah, Ah on bah joue oui, juste pour se faire ça kiffer, c'est clair. on joue pour faire plaisir aux copains sur le stream et à la famille. Donc c'est le genre de situation où t'es complètement relâché, détendu et tu joues pleinement T'as rien à perdre. t'as rien à perdre, exactement. Les vétos sont prêts. Ok, on va voir sur quelle map on va aller jouer. Eh bien, ce sera une nouvelle Haven. Ça me semble être plutôt un bon choix hein, du côté de 3D Max. Quand on regarde le map pool, enfin, en tout cas ce qu'ont joué les Job Life, c'est essentiellement de la Ascent et de la Pearl. Ascent, bah, ils sont très forts dessus, donc bah, on le voit, hein, c'est le premier ban de 3D Max. On va pas du tout se prendre la tête pour 3D Max. Ok, ils ont 4 victoires, une défaite dessus. La première défaite, c'était hier hein, contre SBG notamment. Donc pas de prise de tête, on va pas les tester sur leur map forte. Finalement, bah, bon compromis, ils vont sur Haven. Ouais, Haven, alors attention quand même à Job Life, hein, de décider d'aller sur une Haven, c'est quand même une map de mix, entre guillemets, c'est quand même une map de skill, et c'est un petit peu la physionomie d'équipe qu'on a chez 3D Max, un mix très skillé, donc attention à ce choix de carte. Je pense que c'est pour l'instant pas la map où on a vu le plus de masterclass côté IGL. On se souvient d'une game plutôt dans la semaine qui avait un petit peu glissé, donc c'est un pari, c'est décidé, c'est choisi par Job Life. Ils ont très bien en tête l'enjeu de cette game et ce que ça pourrait leur causer comme dommage en cas de défaite. Donc je pense que c'est préparé, c'est réfléchi. À côté de ça, on a des 3D Max qui ont beaucoup joué la map, donc c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de données à aller chercher pour Job Life. Et pourquoi pas bah, tout simplement s'inspirer au maximum bah, voilà, de ce qu'on a pu voir pour assurer une victoire ce soir. À combien elle est importante. Ouais, et puis bon, cette carte d'Haven, on commence à connaître. C'est la nouvelle Ascent. Au début de la compétition, c'était Ascent Party. On avait de la Ascent à toutes les sauces. Maintenant, j'ai l'impression que ça a plutôt transitionné vers cette carte d'Haven. Et je pense que vers la semaine prochaine, on va encore transitionner vers Split. Hein. Je préchote, mais je le sens. Ouais, bah, d'un côté, là, toutes les équipes sont en changement de préparation ouais. de ma pool. Ça travaille pour certaines Split, pour d'autres Lotus, ou même peut-être les deux. Oui. Donc, c'est vrai que je pense qu'on a voulu garder 2-3 maps fortes dans le précédent map pool, comme Haven, comme Ascent, et pour commencer à préparer les autres, donc forcément bah, en mettre du mapool actuel de côté. Après bon, sur des BO1, ça m'étonne pas trop qu'on voit au final autant de Ascent et de Haven. C'est un petit peu les équipes, enfin les maps indémodables et principales du jeu et qui sont. Et c'est un bon choix, Haven, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que ça semble être aussi une carte plus simple à travailler que d'autres. Je pense à Fracture, je pense à Pearl notamment, où il faut faire un gros travail. Haven, ben, on voit quand même énormément de similitudes entre toutes les équipes finalement. J'arrête pas d'en parler, la fameuse Execsé, ben, c'est Retake Simulator la carte. Si t'es Retake, elles sont bien bossées. Si t'as une bonne Killjoy, un bon Breach, si t'es bien en séquence avec tes coéquipiers pour jouer les Retakes, ben, c'est limite si tu vas
dominer pardon, le side défensif. Quoi. Ouais, bah, clairement, on se souvient, hein, c'est mandatory, tout particulièrement, qu'il y a un jeu de défense et de retake très intéressant sur la carte et qui, du coup, se permet de laisser tout le temps un site vide, que ce soit le B, que ce soit le C, que ce soit le A des fois, et avoir toujours une préparation de retake bien amorcée autour. Et c'est vrai que c'est la méta un petit peu générale à l'heure actuelle. On voit beaucoup d'équipes jouer comme ça, et on a même vu que bah, pour Wild, juste avant, ça leur a apporté défaut. Malgré un 9-3 en attaque, on n'arrive pas à assurer la win parce que bah, tout simplement, on n'a pas une retake qui permet, enfin une compo qui permet de faire des retakes. Donc c'est clairement un enjeu hyper important, et on va pouvoir découvrir, mon cher héros, quels agents vont être décidés par ces deux équipes, et est-ce qu'on aura le droit à un retake simulator une fois de plus? Eh bien, bien sûr que oui, puisque je vois directement la Killjoy, bien évidemment, des deux côtés, le Breach est là également, le Omen des deux côtés, hein, pour Blipzen et Yayax. Petite différence au niveau du second initiateur, ce sera le Sova d'un côté sur Machina. Marquis retrouvera sa Fade, la Jett pour Killu et Maté. Aucun changement, c'est les compositions défaut pour les deux équipes, c'est Ultra Vanilla. Petite différence sur les initiateurs seulement. Ouais, c'est ça, compo hyper vanilla, compo méta, petite différence comme tu le dis sur Fade et Sova qui est plus une préférence de choix, ça exactement, enfin voilà, c'est individuel, je pense que Machina est souvent plus à l'aise sur le perso, et au final Sova qui permet toujours, notamment dans les contrôles de cartes, de déranger les Killjoy avec ses chocs d'art pour venir détruire les setups, ce que ne permet pas de faire Fade, donc voilà, c'est... Toujours intéressant de voir un Sova, et on va pouvoir bientôt rentrer en game, mon cher héros. On le rappelle, hein, c'est un contexte de game super important pour Job Life. Il faut absolument remporter cette game. On part tout de suite pour ce Job Life contre 3D Max. C'est parti. Et on est parti pour le match du jour. Est-ce que 3D Max va pouvoir ajouter à son tableau de chasse une équipe qui prétend encore aux playoffs, hein. Elle les élimine une par une depuis deux jours. En tout cas, c'est une très bonne semaine pour 3D Max. Et 3D Max commenceront en défense, Job Life en attaque. Ouais. Grosse défense articulée autour du mid. On va probablement vouloir push pour la défense de 3D Max, tandis qu'on a l'air... d'être décidé pour les Job Life, et c'est le A qui va être exploité. On va attendre la contestation de la zone pour la reprendre ensuite. Attention à Yota Matelien qui avance au niveau de son middle. Et normalement là ils ont entendu, hein, ils devraient avoir l'information de ce qui se passe. Le A, vous le voyez, il va être gratos, hein. Pour JL, ce sera une retake. Tiens, quelle surprise sur Raven qui va être jouée. Et voilà, ça y est, on a accès au site, le spike est amorcé. Et la retake semble déjà se plancher dans le dos. 5 dans le dos, 5 dans le dos, héros, on n'a pas l'habitude de le voir, on va voir la réaction un petit peu de Job Life. Yax qui prend un joli premier kill, Yota et Orivenge instantanément, 4v4, et on va se faire prendre en sandwich pour Job Life qui décide de reprendre le CT. Ouais, attention, le 1v1 au niveau de cette short va être ultra important, et ouais, c'est au niveau de la longue que c'est en train de s'articuler, on gêne la prise d'espace, oh, on a pris une très bonne flèche ici, Ronen qui est déjà low HP, oh Machina, le bon coup de souris sur Killus, ça avantage les 3D Max ne font qu'une bouchée de tous les joueurs JL, et le désamorçage peut se faire, attention Ronen qui trouve une élimination, Ronen le clic droit, en courant, Ronen qui trouve l'élimination, à la dernière seconde il allait désamorcer, Ronen, le quadruplé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis bouche bée, mon cher héros, et Roden qui vient de remporter un 1v4 des plus magnifiques, des plus impressionnants. Quel exploit de la part du capitaine des Job Life. 1 contre 4, low HP, seulement un stun en main, 26 petits points de vie. Et voilà, il vient se débarrasser d'Yota et après il peut enchaîner. Gros clic droit dans la bouche de Machina. On arrive à se débarrasser de Matelien qui est mal... couvert par son teammate, et ensuite on enchaîne. Il n'y a pas une seule balle qui a été tirée sur ce joueur. Loki, il m'a tout pris au pistol round 2, Ronen, il m'a pris toute ma voix. Allez, c'est parti, jeu très agressif de JL. Décidément, quel pas la première fois qu'on voit Ronen sauver des pistol round pour son équipe, quel et on sait qu'à chaque fois ça avait eu un impact directement sur l'entame de side. Exécution au niveau de ce C, il y a du monde à la réception, mais on tient pour Job Life. Ouais, attention, il y a encore Yota au niveau du backside, mais ça tient sans aucun problème pour Soon. Ouais, Machine a repéré déjà low HP, tout le stack site pardon est conquis. Roden, la petite élimination sur Machina.
Et Matelian dans le dos, c'est refusé par qui lui, même le spike est même amorcé hein, après le timer. 300 crédits en plus pour tout le monde. Round suivant. Perfect round. Attention à 3D Max là, il faut arriver à se remettre dedans après avoir pris un V4 complètement douteux au pistol. Pas facile de rester concentré et motivé. Tandis que Joblive va partir sur un round bonus, seulement une boot dog, 4 spectres et un Rodan qui est déjà bien avancé dans son cycle d'ultimate. Ouais, il est déjà en moins 3, hein. Il pourrait quasiment l'avoir pour leur vrai premier round d'armée. Je révèle la zone. Allez, prise d'espace dans ce middle pour JL. Ouais, c'est souvent le cas hein. Quand on est en round bonus, bah, on choisit le site où il y a les close contacts, où on peut prendre de vitesse, aller chercher les connecteurs. Et c'est ce qui est choisi en tout cas par JL dans un premier temps. On propulse qu'il eut. Le spike va être amorcé instantanément par Yayax. Ouh, attention, on aurait pu choper un joueur down au contact ici. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est toujours un 5v5. Attention à qu'il eut sur cette caisse. Il y a un drone qui va partir de machine. Non, on va pouvoir repérer le joueur de Jet qui se fait ping mais qui n'arrivera pas à se faire extraire. Situation de retake, on est en 5v5. Matelian qui va avoir un gros affaire, un timing intéressant dans le dos. On touche le spike et les duels qui commencent à partir. Matelian qui a un très très bon duel. Matelian en premier, Matelian qui n'enchaîne pas. On se rate un peu, mais Don fait un kill très important au niveau de ce site. Ça semble voilà, compliqué à tenir pour JL. Ça sera diffusé par les 3D Max. On va quand même chercher un amorçage de spike. Ouais. On fait tomber deux armes. On s'applique, on se précipite pas du côté de Matelian. On en voit beaucoup hein, des joueurs qui se précipitent sur la retake dans le dos. Non, il prend bien son temps, il saisit bien son timing. Un peu le kill, hein. Pas d'alarme bot, pas de tourelle ouais, pour garder la ligne. Et Yota qui avait lâché son flank. Troisième round remporté par 3D Max. Et on part sur le premier vrai round d'armée. Allez, contestation de ce lobby A côté 3D Max. On a l'information qu'il n'y a personne. On va pouvoir prendre cet orbe pour Machina et accompagner tranquillement son dueliste. Tandis que côté Joblife, ça a l'air d'être le garage hein, qui a l'air d'être exploité. Prise du garage en cours. On va flasher pour qu'il lui. Ouais, ça va partir. On est prêt. Du côté de Dan, on a apporté une réponse avec la ligne de fracture. Voilà, c'est fait instantanément. On gêne la prise d'espace des joueurs GL. Le bon dézonage de qui lui prendra pas de dégâts. Il sera dans les temps. Ah c'est bien, on fait perdre du temps et on fait perdre surtout du control map à Joblife qui pour l'instant n'a toujours pas clear ce garage. Qui va décider de faire une pression. On sait que ouais. On n'hésite pas à prendre de l'espace hein, sur le A. On va mettre une petite pression dans les pieds de Maté. Mais c'est le C qui semble être visé par les joueurs JL. Et on est prêt à répondre hein, du côté de Blitzen. Voilà, la paranoïa est envoyée. On se baigne dans la smoke. Le TP de Blitzen, c'est osé. Mais c'est en train d'être fait. Mais il y avait la reconnaissance qui le spot instantanément. Kill d'ouverture pris par Killu. Et là, Yota, il est bien isolé. Seul au niveau de ce backside. Prélevé par Yayax. Il ne sera pas aidé par Dom. Oh, le petit travers quand même. Ah, ça passe pas, ça passe pas. Et Machina et Maté qui enchaînent dans tous les sens. Attention, double kill de Soon au niveau de cette window. Ça a failli reprendre pour 3D Max. Mais malheureusement, Maté qui se retrouve désormais en 1v2. Mais le spec n'est pas amorcé. Attention, il y a une opération pour jouer pour Maté. On se rate sur Soon. Se rate également sur Killu. On va pouvoir amorcer et cover. Normalement, tranquillement, ce spike. Attention quand même au clutch de Matelian. Ouais, attention, il est capable hein, de le faire. On s'est bien positionné. Hein. On va y avoir un crossfire qu'il va devoir jouer. On va décaler sur le contact normalement de Soon. Oh là là, ça aurait pu être dangereux, Soon, de décaler solo. Ouais, plus de 4 balles pour Maté. Il va recharger. Sa position est connue. On prend une double ligne ensemble pour JL. Voilà, c'est bien, c'est fait. On lui laisse pas 2 1v1 consécutifs, 1 contre 2. Et évidemment, Maté s'effondre. Ouais, ça joue pas grand chose dans hein, le move de Blizzen qui est bon. Vouloir se replacer avec, avec son TP en close range après avoir jeté sa paranoïa. Il y avait vraiment de l'idée malheureusement. Si la hauteur est détruite. Exactement, exactement. Si cette reveal de Fade était détruite, c'était le move potentiel du round. Mais ça n'a pas été fait par ses coéquipiers. Il est donc spot et on pénètre facilement sur le site côté Joblife. Et on remporte ce round d'armée. On envoie 3D Max en écho et on commence à prendre une jolie avance. Et on est très groupé hein, pour les joueurs JL. C'est le 1 qui semble être la cible. Ça semble pas être la cible, hein. C'est carrément la cible. Hein. Matelion est déjà repoussé avec ses kunai. Low HP hein, sur le site. Ouais, Machina, Choc d'Art en main qui va essayer de faire un petit peu de dommage. Trouvera quelques HP, mais ouais, l'exécution qui est en cours, ça va être compliqué pour tenir. Matelian qui tombe, Machina également. Ouais, on n'était pas dans les temps hein. Pour les coéquipiers. On voit qu'ils avaient compris, hein. Ils étaient prêts à réagir, mais ouais, il manquait une ou deux petites secondes pour rejoindre leur coéquipier. Spike amorcé du côté de Mark T. Et maintenant, bon bah,
Des dégâts économiques pour 3D Max, j'imagine. C'est ça, ouais. Côté AGL, on va vouloir essayer peut-être de prendre un petit kill sur Odin pour assurer son ultimate au prochain round. En tout cas, on a celui de Soon. Le confinement sera disponible pour ce prochain round d'armée, donc bonne nouvelle hein, pour les Job Life. Stun qui part et ouais, la reprise qui semble tout simplement impossible. Ouais, ça y est, c'est en train de s'effectuer. Premier kill pour Soon, Marty également. Aucun kill pour les 3D Max. Voilà, tu l'avais dit, ça semblait impossible. C'est impossible. C'est le quatrième round pour GL. Ouais, on débloque des ultimates importants pour les Job Life et on va pouvoir construire sur un round clé avec beaucoup, beaucoup de ressources. Ça fait clairement leurs affaires côté 3D Max. On n'est pas vraiment rentré dedans pour le moment. On se fait bouger individuellement et collectivement. Ouais, regarde là, on commence à avoir énormément de ressources pour GL. En plus de la banque bah, qui est plus qui confortable. Bien. Maintenant, on a 4 ultimates pour essayer d'engranger encore un peu plus de rounds. Allez, qu'est-ce qu'on va faire côté Job Life? On va laisser pour l'instant ce... Ah, on va pas le contester plus que ça. On voit la fade hein, qui a mis beaucoup de stuff en la présence de Marcelinho. Mais c'est une split C qui est amorcée directement au niveau de ce garage. Et le C est pas joué. Hein. Il est pas joué par les 3D Max. Donc, est-ce qu'on va vouloir garder ce garage pour utiliser l'ultimate de Killjoy? Non. On va vraiment vouloir amorcer. Et attention à Roden et à Marty qui pourraient tellement surprendre. Il y a un double piège. Il y a un double piège, Loki. Oh, et on ne check pas jusqu'au bout. On est naïf. Le premier kill, il est pour Marty. Et là, forcément, l'ultimate de Roden est envoyé dans les pieds. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Ça semble compliqué. Soon qui peut amorcer ce spike tout de même. Et le bon repositionnement de Roden qui va chercher une double élimination. C'est tellement bien fait. Il ne reste déjà plus que Yota. Il est et on va le chercher. Soon, il va le cutter, bien évidemment. Ah, il a attendu, il la troll jusqu'au bout. Bien joué à Soon et bien joué à JL qui vont chercher le cinquième point. Petit coup d'humiliation pour les Job Life. Très bien négocié ce round. On est venu faire une grosse activité au niveau de ce lobby. On a vu qu'il y avait une contestation amorcée par les 3D Max. On s'est donc douté de la potentielle faiblesse à la gauche, sur la gauche de la carte au niveau du BPC. Et on a exploité cette faiblesse. On arrive sur une split très rapide en laissant un double lurk les deux initiateurs. Je sais pas si c'était prévu de base, mais en tout cas, ça fait le travail puisque Roden et Marty arrivent à complètement annihiler cette retake des 3D Max. On vient utiliser en plus de ça le confinement de Soon pour s'assurer une défense. Et voilà, petit coup de knife pour parsemer le tout de parmesan. 5 à 1. Les Job Life qui font une excellente entamero. Ouais, excellent hein, le début de match de JL. Par conséquent, pause tactique hein, rapide de 3D Max. Qu'est-ce qu'on fait pour 3D Max? C'est quoi? Bah là déjà on se fait bouger individuellement, donc il faut déjà rentrer dans sa game individuellement. Collectivement, ouais. Saven, on sait que quand tu commences à perdre un petit peu le fil en défense, bah tu te fais tout simplement mener à la baguette. L'attaque fait un peu ce qu'elle veut et là c'est un peu le cas. Donc faudrait peut-être jouer sur des fausses informations côté 3D Max. On va dire faire semblant de contester une zone, par exemple le A ou par exemple le mid, pour ensuite fortifier d'autres et essayer de forcer des réactions de Job Life. Un peu plus de travail de cartes. Exactement, exactement. Après plus facile à dire qu'à faire. En tout cas on a un joli cycle d'ultimate qui vient d'apparaître pour 3D Max. On le voit, hein, donc pour ce prochain round d'armée, si l'écho est perdu, on aura des ressources. Mais c'est maintenant qu'il faut capitaliser sur des rondes héros. Oui, c'est clair, il va falloir en mettre. Ouh, bah justement, un blitz qui va mettre un headshot directement dans la tête de Roden. Mais bon, le shérif à longue distance, la petite trahison, c'est seulement 145. Ouais, seulement. Ça fait les affaires hein, de GL. Attention à Blitzen qui prend beaucoup de dommages à travers cette fumigène. On va décider de freeze complètement le jeu pour Job Life. Bah, ils le savent, c'est de l'écho en face. Faut pas se précipiter, faut prendre son temps. Clairement. Je pense que c'est le C qui va. Non, qui ne sera pas choisi finalement. Est-ce que Killu va essayer de faire une petite fake? Ah, je pense qu'il s'est juste infiltré dans la smoke pour éviter que, qu'elle soit reprise, que quelqu'un s'y dépose. Mais voilà, ils vont te faire mentir, c'est pas. On va fake le A. Je crois qu'on veut fake cette reprise du lobby A avec Breach, avec. Retour garage. Ouais, c'est ça. Et peut-être un retour sur Killu qui a l'air d'attendre si on va le push. Retour sur le garage, hein, j'ai l'impression, avec Killu en point d'appui sur la longue. Mais tu as bien raison, ouais. On a même été repéré. Parfait, c'est parfait ce que fait Roden. C'est limite volontaire. Mais maintenant, il faut repartir en C. Oh, quoi? Blitzen qui a décidé d'appuyer sur le bouton magique. Et on comprend que Killu avait l'air d'être seul en C. Et maintenant, on doit exécuter en A pour JL sans dueliste de disponible. Attention à cet écho. Attention, Marty qui est passé. Et oui, Matelio, il est bien isolé seul. Marty, bien inspiré. Bah, il rend la saleté hein, qu'a envoyé Blitzen. Oh. Marty qui continue sur un triplé. Spike amorcé dans les temps. Yayax qui va complètement détruire Dorm. Et on n'a pas attendu le confinement de Yota. Il est envoyé dans le vent.
Et oui, Biota, il va pouvoir prendre de l'espace, mais il n'y a personne qui va être detain. Si, un joueur. Oh, c'est dommage d'utiliser ce confinement sur ce round. C'est tellement dommage pour 3D. On aurait dû avoir la lucidité de se dire qu'il y avait certainement encore beaucoup de mollo et d'utilitaires pour contrer cette retake. Et malgré cette dinguerie absolument pas légale, bien évidemment, BG Anto, nice shot. Marty qui franchement fait le café hein, sur ce moins 3, kill sur Maté, ensuite il enchaîne un doublé à travers la smoke. Il y a deux PC à check, hein, celui de Roden pour le pistol et celui de Blitzen là, bien inspiré. Voilà, personne ne se voit, mais tout le monde se tue. C'est les plaisirs de Valorant, mesdames et messieurs. 6 à 1, Job Life creuse l'écart dans ce premier side de ce match du jour. Bon, attention, hein. Changement de rythme, j'ai l'impression. En tout cas, pression mise très rapidement sur le A. Ouh, pour faire un retour middle. Ouais, Maté qui va détruire la tourelle au niveau de ce flanc. Le dash in. Ouh, le dash in de Killui, c'était bien pressenti, ça passe pas loin. Oh, Blitzen, unlucky, ce timing dans le garage. Ce kill à travers la porte, il prend beaucoup risque, Blitzen, et tout seul, ben, héros. Je crois qu'il a tiré une balle et forcément, bah on répond, on est deux. C'est risky, et beaucoup trop risky, ouais. Vraiment. Voilà, hein. Maintenant on a la zone, hein. On a ce garage, et oui, on veut compenser, on reprend à deux le middle, mais ils sont attendus par un bon crossfire. Oh, Roden qui va détruire Matélian, et oui, il y a Killu, le crossfire était là. La réaction n'est pas bonne pour les 3D Max, on se fait complètement punir. Ah, on se fait complètement punir, mon cher héros, j'ai envie de dire, c'est un peu une classique 3D Max. Hein. On prend un V4 au pistol, ça nous fait direct sortir de la game, et après on joue plus. Là, c'est des rounds à sens unique pour les Job Life. Et tu vois, c'est les réactions qui sont bonnes. Tu perds un joueur, tu veux reprendre une zone, mais là, c'est complètement anticipé par Ziel. Trop tôt, tu viens de perdre c'est beaucoup trop tôt de faire une reprise au niveau de ce mid. Ah oui, il n'y a pas d'utilitaire, on joue que sur du skill. C'est vraiment pas comme ça qu'on joue proprement à Valorant. Et pour l'instant, ça fait clairement les affaires de GL qui a besoin de cette victoire pour assurer une place en playoff. Ouais, exactement, évidemment. On va à la chasse hein, pour les gens GL, on aimerait bien conserver ses armes. Est-ce qu'on va être détecté? Oui, du côté d'Yayax, ils n'ont rien à perdre, hein, évidemment, à aller chercher ses armes. Yota qui survit, qui se bat bec et ongle pour conserver cette fantôme. Est-ce qu'il va continuer son office? Oui, sur Killu. Ouais, finalement, c'est Soon qui pourra l'éliminer, mais ça ne changera rien à l'économie des GL. Hein. Ils ont porté quasiment 7 rounds de manière consécutive. Puis ça va très bien à GL de faire farmer ouais, la Blitzen tout seul dans le garage, aucun soutien, aucun revenge possible en tant que contrôleur, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir et on sort un petit peu de la game là, il va falloir se refocus pour 3D Max, redevenir discipliné si on veut commencer à inquiéter ces joueurs de Job Life qui sont dans une maîtrise totale pour le moment. Bon, on a Yota qui a envoyé son ultimate un peu dans le vent sur le round d'écho. Il est déjà en moins 1, donc il va récupérer assez rapidement. Et j'ai l'impression qu'on va avoir la fameuse exécution. Changement de rythme, côté GL, exécution c'est très rapide. Dash de Killu, le site qui est complètement délaissé par la défense de 3D Max. C'est un armor stage free. Attention, Roden qui vient de débloquer son ultimate pour la retake. C'est une très très bonne pièce ajoutée à GL. Ouais, ah, voilà. Ils sont déjà en train de repartir. Oh, Yota qui trouve le kill justement sur Marty. On veut compenser. C'est fait pour Soon, le doublé. Oh là là, ça met très bien les jours JL. Mais attention, Matélian n'a pas dit son dernier mot. Il trouve l'élimination sur Yayax. Mais là, il y a Roden qui est encore vivant. Il a envoyé son ultimate. Cependant, Blitzen, Matélian qui trouve les kills. Mais attention, il reste le monstre Roden. Roden n'est déjà plus sur le serveur. C'est Blitzen qui aura le dernier mot. Second round pour 3D Max. Allez, retake remporté par 3D Max. Elle était loin d'être simple. Avec ce contre-ult de Roden, on l'a vu, et un joli moins de, hein, de Soon dans ce garage. Mais l'enchaînement de stuff qui a été bon, on est venu complètement gêner Yayax et Killu. Et malgré voilà, ce moins de important et salvateur de Soon, ce kill de Maté change la donne. Et également ce dernier, c'est bien fait. Ils en avaient besoin de cette retake 3D Max. Double confinement disponible, héros. Ouais, il était vraiment chaud à manœuvrer hein, comme... Elle était chaude à manœuvrer, pardon, comme retake. Et finalement, ça passe. Tu l'as dit, ils ont besoin de runes. Il va falloir aller en chercher, en gratter un petit peu plus hein, si on veut un espoir sur le second side. Et encore une fois, un rythme très rapide, effréné de la part de JL. Cette fois-ci, c'est sur le A. Ouais, changement de côté de carte. On va le reprendre. On va reprendre cette longue. Et Maté qui ne tient pas son duel sur Killu, c'est revenge par Machina. Et la bonne flash. Oh, il veut retourner. Non, il en fait trop, il en fait trop, Machina. Il en fait beaucoup trop, il est puni, attention à Don. Il voulait y aller sur la flash de Don, hein, brancher, mais pas récompensé. Il a été vu. Je sais pas s'il a été vu, Don, en tout cas, ouais. En tout cas, le prélor le repérera et on va pouvoir tranquillement se remettre. Il veut y aller, Don. Oh, il veut y aller, il veut punir une nouvelle fois. Il y aura un
il se fait attraper par Marty. Il a voulu compenser et là il se fait complètement choper. Blitzen qui rentre tout de suite. Blitzen n'a pas les smokes. Il trouve Marty une nouvelle fois dans la smoke, mais ça n'atténue pas les dommages qui ont déjà été faits. On a toujours un avantage numérique pour GL. Avantage numérique, comme tu le dis, Hero, mais un confinement disponible sur Yota. À voir si on décide de l'utiliser. C'est un parti pris sur un 2v3 avec un Omen, ça peut le faire. On a de quoi smoker la longue et la short et on pourrait éventuellement s'offrir la diffuse de ce spike. Est-ce que Yota va le faire? Oui, c'est fait, mais Rodon à la contestation. Et Rodon, il a pas peur. Stun, il vient se débarrasser de Yota et également de l'ultimate revenge par Blizzen, mais ça ne suffira pas. Attention, on a repéré Yayax. Est-ce que Blitzfan peut faire l'F3 hein, V2? Oh, c'est compliqué. Ouais, c'est là, il y a beaucoup à gérer. Il va chercher hein, le joueur dans son dos. C'est plutôt la bonne idée. Il trouve justement le triple l'élimination sur Yayax, mais 1v1 et on l'entend. Il y aura plein de temps de jouer ce rune pour Blizzen. Ce sera remporté par Soon, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il peut même trouver l'élimination? Oui, c'est fait du côté de Soon. C'est le 8ème point pour JL. Ah, 8ème point et encore un très bon side d'attaque sur Haven proposé ce soir. Maté qui se trouve là, qui enchaîne pas sur Killua. Et là, Machina, il doit juste. Alors, on comprend l'idée. Il veut repick sur la flash de down. Mais du coup, il vient de le faire. On s'en doute. Et c'est bien anticipé par Marcelino qui vient déposer son 6. On le voit hein, dans les pieds de Machina, ça change complètement la décale et ça donne ensuite un avantage numérique. Don essaye de compenser avec un bulldog, c'était malheureusement un petit peu trop compliqué. Et on envoie directement cette défense de 3D Max en écho, mon cher héros. JL domine cette entame. Oh, ils n'ont pas l'argent hein, pour jouer ce rune. Même position pour Blizzard, il avait mis un headshot la première fois, pas cette fois-ci. Et encore une fois, voilà, on change pas le rythme, très effréné, c'est sur l'autre titre que ça se passe. Mais attention, le judge de Yota, est-ce qu'il a été repéré par Killua? En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas intervenir, c'est fait pour Yota. Et Killua, il n'est pas accompagné, c'était seulement un fake, on prend le A. Ouais, c'était un gros fake avec la paranoïa et les flashs de Bridge, mais c'était en effet le A qu'on voulait exploiter. On a envoyé Killua à l'abattoir pour pouvoir potentiellement assurer ce round. Côté Job Life, des avantages numériques mais des ultimates de disponibles et surtout l'avantage au niveau des armes. Oui, là, la Ritex annonce compliquée et on va pas hésiter à utiliser les ultimates hein. Du côté de JL, on veut s'assurer tous les rounds possibles. Ça permet de gagner énormément de temps. Soon qui a une nanite de disponible, attention à ce stun. Soon qui arrive à l'esquiver, c'est bien fait de sa part. Matelian qui prend le kill sur Marcelino. Ouais, il était beau hein, celui-là. Soon qui veut compenser, mais Matelian qui trouve déjà un doublé. Et là, ça se complique forcément pour JL. Maté qui continue, élimination de Rodan. Rodan, il a débloqué son ultimate, j'avais pas vu. Et Yayax qui fait un doublé. Rodan, lui aussi, il va chercher un doublé. Ça tient pour les JL alors qu'on a réussi à être dangereux pour 3D Max. Ah, c'était un 2v4, on doit avoir tellement les boules côté 3D Max. Ce rune qui était clairement jouable, on le voit, hein, ce qu'il y a eu sur le fake, qui se fait pomper et judger. Et là, Soon qui se rate un petit peu, enchaînement de Maté Liane, situation de 2v4 à l'avantage des 3D Max. Et là, le kill de Rodan sur Maté qui change clairement la donne. Ouais, ça vient débloquer l'ultimate. Et t'as vu que Rodan, il prend un headshot juste avant d'envoyer. C'est ça, il prend le headshot, ça sauve son coéquipier, ça lui débloque l'ultimate qui vient offrir le round ensuite. Pour l'instant, c'est clairement l'homme DJL, le capitaine Rodan. Allez, dernier round hein, de ce premier side. Suspect, ça. Largement dominé par JL. Une petite pression dans le middle, on va encore une fois détruire la tourelle hein, sur ce foin. On est prêt à réagir hein, du côté de down, on est prêt à décaler sur flash avec Blitzen. Le timing sera important et on voit que le timing bah, il est loupé, il n'y a personne. Et on en a que faire, c'est ce C qu'on a l'air de vouloir investir pour JL et c'est un C qui une fois de plus est laissé complètement à l'abandon. Yota en retake qui n'arrivera pas à gratter de kill et qui se fera même punir par Soon. Soon qui enchaîne sur Don également, on tombe de tous les sens pour 3D Max. Ouais, là on est attendu, est-ce que Marty, ouais il n'est pas checké Marty. Mais on va quand même trouver le frag pour Machina. Et ouais, mais là c'est quand même compliqué, hein. 2 contre 4. Il faut reprendre tout le site, on est fort sur le site et on n'a pas le temps surtout. Ouais, on n'a pas le temps héros, on a tout le spawn. Enfin je veux dire, c'est juste impossible, joli stun de Rodan. On va essayer de refaire passer Machina par ce garage, mais malheureusement ça semble compliqué. Attention à Maté qui prend un premier kill, mais qui se fera revenge. Les trade capacity instantanément, et on l'entend, hein, le spike qui retentit et qui va tout simplement exploser. Machina il sait qu'il n'a pas le temps. Et ça y est, hein, ça va exploser. Yayax va feed un petit peu son scoreboard avant de finir ce side. 17-2, ouais. Sévère, hein. Sévère héros, très sévère ce side. Dans la maîtrise pour Job Life et... Et on peut se poser la question de est-ce que ça serait passé pareil sans ce 1v4? Et la réponse, bien sûr que c'est non.
Ce premier round de Roden pardon, qui change énormément de choses dans la physionomie de la game et dans l'état mental que évolue pour l'instant, dans lequel évolue 3D Max. On a un peu perdu les pédales et 10 à 2, le score le reflète. Et JL qui n'a juste à assurer, juste à mettre la petite cerise sur le gâteau et repartir la tête haute avec une très très belle victoire. Roden, il fait une game de roi, effectivement Noah, très joli PP1, lisez Vagabond, c'est ouais. Excellent. Et on est reparti hein, pour le second side, JL passe en défense et les 3D Max en attaque, il faudra absolument aller chercher ce pistol round. Ouais, c'est pistol ou goodbye. Et attention parce qu'il y a peut-être une opération pour les 3D Max puisque on a l'air de vouloir investir le C qui est complètement délaissé par JL. On est venu faire avancer Marty sur ce middle et c'est vraiment le middle hein, qui est défendu à 4 par JL, c'est bon on a compris. Et le joli kill de Marty au niveau de ce mid, ça surprend énormément. Oh, Yayax qui est prêt à envoyer sa paranoïa. Ils sont prêts à retake justement et c'est Maté qui trouve le kill. Lyota, un nouveau kill. Maté Lyon à son tour sur Roden, ça tient sur le site alors que on donnait les JL gagnants pour l'instant, c'est pas terminé. Il reste tout de même Killu en 1 contre 2. Ouais, Killu 1v2, très bonne TP là au niveau du garage. Killu qui a maintenant les doubles informations normalement, un garage. Un dans la langue, il doit s'en douter, mais il n'y a pas de fumigène, il a pas de smoke. C'est compliqué, hein. Ouais, c'est impossible. C'est presque impossible, à moins d'une erreur individuelle. Oh, 3 des Max, attention, j'ai parlé trop vite. Attention, j'ai peut-être parlé trop vite. Killu qui va pouvoir toucher ce spike. Oh, il est obligé d'avancer, il est obligé de se commit Blitzen. On peut désamorcer safe. Il a pris la moitié, est-ce que Killu peut le faire? Non, ça tient pour Blitzen. Nice try, Killu, mais on va chercher le pistol round pour 3 des Max. Ça peut partir de là. Parfaitement négocié ce clutch par Killu. Ça passe vraiment pas loin, on vient. S'offrir un kill dans la langue et ensuite on joue très bien ce 1v1, ça passe à vraiment pas grand chose. Et les 3D Max qui étaient pas si bien, mais la double coupe au niveau du garage de Yayax qui permet clairement de reprendre l'avantage. Blitzen qui assure, il fallait absolument pas rater sa balle, hein. Il avait pris des hits, ouais. On sait qu'avec le shérif ça peut aller vite, donc il était chaud ce clutch. Ah, le shérif au pistol, hein. Un délice, toujours. Spam, deux balles dans le corps. Ça fait le taf. Hein. Bon, qui lui, il a mis un headshot, mais... Ouais, c'est la bouffée d'air frais. C'est la bouffée d'air frais pour 3D Max qui se redonne un espoir dans cette game. Ah oui, ouais. Il y avait quoi? Un shorty, évidemment, il a voulu se baigner dans la smoke. La classique. Attrapé par Maté. Ouais. Allez, hein, faut reconstruire le round hein. pour 3D Max. Évidemment, on prend son temps, mais c'est le C hein, qui sera la cible de 3D Max. Ouais, pour l'instant, on laisse Matelian décaler, tandis qu'on le voit. Hein. Ses coéquipiers sont en train de le rejoindre pour ce stack, mais attention à ce pari Job Life qui, on l'a vu, les paris en écho, ça peut, surtout avec un stand the beach, vite glisser. Ouais, et le frenzy hein, de Roden, attention à hein, ce pistol qui peut faire des saletés. Ça y est, l'exécution est en train de partir. Le stun, tu l'as dit, Roden est bien présent, mais la smoke qui... Oh, Marty! Marty n'a pas les smokes non plus! Checker le PC de tous les joueurs! Et justement, le frenzy de Roden et Marty, le triplé! Est-ce qu'il va aller chercher son quadruplé? Il ne reste déjà plus que Lyota, encerclé de tous les joueurs et il est éliminé par Killu! Tu l'avais pressenti, tu l'avais dit! Ce stack, la ligne de fracture et la réussite de Marty permettent d'aller chercher l'écho. Alors voilà, j'ai malgré cette ligne de fracture qui est c'est bien fait par JL, c'est bien attendu, c'est bien senti, le pari est bon, mais la réussite de Marty, elle est incroyable sur ce moins 2 au shérif pour enchaîner sur un moins 3. Aïe aïe aïe, quel round des JL et c'est clairement the sauce pour 3D Max. On va forcer, hein, des Stinger, Hero, mais. Ouais. Là, le coup derrière la nuque, il semble tellement dur et tellement puissant. On va avoir du mal à se remettre. Ah, ok, c'est le B. On va aller proposer une rapide B et on est tout de suite chopé par Roden. Roden, le doublé. S'il y a bien un homme du match pour l'instant, c'est lui. On va reprendre ensemble. On n'en a rien à faire. On leur court dessus. Il ne reste déjà plus que Lyota repéré dans la smoke. Et évidemment qu'on va y aller. Lyota est éliminé. C'est le 12e point. Pas une flash, pas un stuff. On reprend... Arme en main, c'est la bagarre et Roden, capitaine de cette équipe de Job Life qui nous fait une masterclass depuis le début après 1v4 au pistol. Il continue à déjouer les plans de 3D Max qui, sur le papier, ça sera pas ce soir qu'ils vont aller accrocher une nouvelle victoire 12 à 3 et déjà une balle de match pour Job Life. Ouais, évidemment, on reforce l'achat, hein, pas le choix. Du côté de 3D Max.
Attention, un jeu agressif sur la longue. C'est Sun qui va mettre un doublé instantanément. Vengeance de Machina qui lutte de l'autre côté de la carte. Élimine Yota. Et ça sent déjà la fin, mon cher Loki. Ouais, ça sent déjà la fin, héros. À moins que Machina et Blitzen tiennent et remportent respectivement leur duel. C'est maintenant un 2v2, mais qui lui. Ouais. Bah, les deux, hein. Là, Blitzen qui s'est entouré de fumigène pour pouvoir s'extraire de la position et récupérer cette fantôme. C'est chose faite. 2v2, on peut récupérer le spike, mais les points de vie vont clairement pas à l'avantage de 3. Et oui, hein, on n'a pas encore le spike. Il faut refaire le rune. Machina qui prend son timing, qui prend de l'espace. Ouais, ça va se jouer comme ça, de toute façon. Si Machina arrive à débusquer l'un des deux joueurs JL, ça pourrait relancer le rune. C'est ça. C'est jeu de timing. Positif pour 3D Max ou win remporté par Joblife qui a complètement reculé hein. Au niveau de ce spawn de la défense. On laisse 3D Max prendre de l'espace, prendre des zones, amorcer le spike pour ensuite gérer la retake à 2. On a les kunai de disponibles en plus de ça sur Hilo. Ouais, ça y est, un Blitzen s'assure qu'il n'y a personne au niveau du backside. Ça n'a pas été géré hein, par Machina. Mais ça y est, on plante pour le spawn. Yayax, évidemment, à l'information. Il va attendre tout simplement qu'il lui. Ils vont reprendre ensemble. Il suffit de tirer partout et qu'une balle touche l'adversaire pour que ça fonctionne. Ça va être fait. L'idée, attention, Machina qui va avoir un timing. Est-ce qu'on s'en doute? Est-ce qu'on s'en doute côté Joblife? On n'a pas l'air de s'en douter. Qui lui prend un premier kill? Mais bien sûr que si, qu'on s'en doute. Qui lui triplé. Et victoire remportée par les Joblife. Très convaincante. Un 13 à 3 maîtrisé. Et une performance magnifique du capitaine Roden. Ouais, une grande maîtrise hein, de Joblife. Roden, tu l'as dit, hein, en grand prince, ils avaient absolument besoin d'aller chercher cette victoire, de ne pas se faire surprendre hein, par 3D Max qui a surpris Hit et Zerance précédemment. On en reparle avec Ita Isto dans une minute.